Salut, salut la famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez la vidéo qui défile à ma gauche ou à ma droite. C'est une vidéo qui se passe en Afrique ici. Je ne maîtrise pas bien le drapeau, voilà. Vous voyez le monsieur qui est en train d'enlever. Il sait que c'est entre policiers ou un douanier comme ça, un truc bon. Etc. etc. Mais c'est un gars de l'armée. Regardez très bien dans la voiture. Vous voyez ça là. Ils vont enlever combien de personnes dans cette voiture. Vous voyez comment en Afrique, des chauffeurs qui jouent avec la vie, quand il dit la vie humaine de quelqu'un, eux s'en foutent de ça. C'est-à-dire, si lui veut mourir là. Lui, il ne veut pas mourir, lui seul. Il veut mourir en gros. Il veut mourir en général à un groupe de personnes. Regardez très bien. Regardez très bien cette vidéo-là. On va écouter ensemble bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Oui, voici la vidéo. Hey boys. Boys, sir. Boys, sir. Boys, sir. J'achète, boss. C'est juste en faisant vite. C'est là d'ailleurs, papa. Oulala. T'as le tato. Quer sair, você? Deixa isso. Deixa lá, você. Deixa. Tá vendo isso? Transpirar, sabe aí? Eu disse pra você sair. Sai lá, papá. Transpirar assim, tá vendo? Aí o gerão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo. C'est pas en Afrique de l'Ouest, mais c'est en Afrique de l'autre côté là-bas. Parce que le drapeau là, vraiment, je peux pas trop dire le nom d'un pays et puis ils vont me dire non, c'est pas le nom là. Mais vous-même, vous qui connaissez ce drapeau là, vous pouvez mettre le nom de ce pays. Mais regardez très bien, c'est pas uniquement dans ce pays là ça se passe, hein. Surtout en général, même en Afrique ici. Regardez comment les gens sont fourrés là-bas. Même boire des sardines, même on sait déjà combien de poissons dans boire des sardines. En des petits pois. Regardez comment ils sont entassés comme ça dans cette petite voiture. Imaginez-vous si la voiture là tombe, fait accident même, tonneau. Il y aura combien de victimes ou il y aura combien de morts dans cette voiture là. Ça là, les gars ne pensent pas à ça. Hein. Ça là, les gars ne pensent pas à ça. Hein. Vous qui montez dans les voitures sans même
dire non, c'est ma vie et met en danger. S'il vous plaît, prenez le temps, vous allez réfléchir avant de monter. Même si vous êtes serré en Afrique, il manque de. Il peut pas dire c'est manque d'intelligence, mais c'est manque d'argent. C'est manque de moyens qui fait qu'aujourd'hui, nos frères, nos parents font des bêtises comme ça. Manque de moyens qui font qu'aujourd'hui, l'homme noir, sa vie est risquée. Oui. Sinon, en principe, quelqu'un qui a ses facultés en place. Regardez. Jusqu'à il y a banane. Je ne sais pas si les gars partaient, si un chantier ou. Je ne sais pas les gars partaient où. Mais moi, je trouve ça méchant. Je trouve ça méchant que tel groupe de personnes peuvent aller se fourrer dans la voiture comme ça. Mais vous ne pensez, eux-mêmes se doutent même pas que s'il y a un accident. Combien de personnes qui vont sortir dans cette voiture-là, vivant? Combien de personnes? Ça là, nous on ne réfléchit pas à ça. Nos frères ne réfléchissent pas à ça. Nos parents ne réfléchissent pas à ça. Vous voyez? Les dirigeants africains, vous voyez des choses. Les voitures. Si on fabriquait des voitures dans notre continent, dans notre pays, aujourd'hui, on n'allait pas pleurer comme ça. Tout le monde était véhiculé. Tout le monde était véhiculé. Même sur simple voiture, même beaucoup même. Même simple moto. Si on savait fabriquer simple moto, vous allez voir. Tout le monde est sur moto. Qui va aller se fourrer dans fourgonnette ou dans ça là? Personne. Mais regardez comment la vie humaine est devenue comme quelqu'un qui a été grillé à Rachid. Au bon milieu de la route. C'est-à-dire au carrefour. Quelqu'un qui a été grillé au carrefour, graine d'arachide. Imaginez-vous, lui qui quitte centre, sud, nord, l'est, tout ça là. Tout le monde vient d'acheter. C'est-à-dire la vie humaine est devenue comme ça. S'il vous plaît, de grâce. Quand vous venez au pouvoir, regardez ce côté-là. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous dites non que oui, vous nous rassurez, oui, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dès que vous venez au pouvoir, c'est là ceux qui votent pour vous, eux-mêmes regrettent de toute leur vie. Regardez des choses comme ça. On dit l'Afrique, on est vaisseau de quoi l'humanité? Nous, on n'est pas vaisseau, nous, on est vaisseau des problèmes. Oui, nous, on est vaisseau des vrais problèmes. L'Afrique, si nous tous, on se mettait ensemble, vous allez voir comment l'Afrique va se développer rapide. Mais tellement qu'on n'a pas encore fini de critiquer telle personne. On n'a pas encore fini de déstabiliser le pouvoir de telle personne. On n'a pas encore fini de faire coup d'État. On n'a pas encore fini de dire, on va faire ceci, on va... Non, on n'a pas encore fini. C'est ça qui nous met en retard. C'est ça qui font qu'aujourd'hui, souvent aussi nos dirigeants qui viennent au pouvoir, quand ils viennent au pouvoir, eux veulent travailler. Mais quand ils veulent travailler, on dit non, qu'ils sont durs sur nous. Ils sont durs. L'autre qui était là, il laissait la vie facile. Mais aujourd'hui, celui qui est là, il veut travailler, mais il nous met la vie dure. Voici le problème d'un Africain. Regardez comment. On réfléchit pour aller de l'autre côté. Mais celui qui est au pouvoir, celui qui veut travailler, on ne le considère pas. C'est là, on va trouver tous ses défauts. Ah, quand l'autre était là, c'est toujours ça. Quand l'autre était là, voyez ce qu'il a fait. Quand l'autre était là, voyez ce qu'il a fait. Voyez, on est dedans. Ouais. André est Sénégalais. André est Sénégalais, tu dis ouais. Eh Seigneur, eux, ils ont pris balle perdue. On a qu'à avancer seulement. Nagate, waouh. Climatiseur, waouh. Congélateur, waouh. Tout est waouh. Arrêt, waouh. On est dedans. Mais un saut, on est encore dedans. Idiot. On est dedans. Vous voyez des choses comme ça? S'il vous plaît, des grâces. Ayons pitié. Pitié. Chaque pays, leur gouvernement doit faire quelque chose. Leur gouvernement doit faire quelque chose pour ses citoyens. Pour ses citoyens, souvent mes véhicules même qu'on prend pour dire pour le transport, nos parents même tapent même tôt. Il dit tôt même là, il est fatigué. Mais c'est parce que quoi?
nos dirigeants ne nous facilitent pas la tâche. Nos dirigeants nous rendent la vie dure. Pour cela, regardez nos parents, où ils sont montés ensemble là-bas, regardez dans la voiture. Ils sont bourrés comme ça, des grains de petits pois. Ça fait mal. La honte totale, c'est quand on va quitter dans ça. C'est quand l'Africain va se lever et dire non à ça. C'est quand? C'est quand on va dire non à ça. Disons-nous la vérité. Quand c'est bon là, on a cassé. Il faut cette vérité là n'a qu'à bien passer dans nos corps. Cette vérité là n'a qu'à bien passer dans nos corps. On n'a qu'à réfléchir. Des gens que vous courez derrière eux, on va voter pour telle personne, on va voter pour telle personne. Réfléchissons ensemble pour mieux comprendre. Mettons la pression sur nos dirigeants africains pour que les gens puissent se mettre ensemble. Au moins, voiture est beaucoup. Moto, chose, comment dirais-je, avion même est beaucoup. Nous, on veut simple moto. KTM seulement, simple moto. Nous tous, on veut simple moto. On n'a qu'à fabriquer, chercher des moyens. Comment les gens vont venir nous montrer comment on fabrique moteur de moto bien avant qu'on va rentrer. Chez nous en Afrique, on a tellement de talents. C'est le moteur qui nous manque. Comment fabriquer? Mais aujourd'hui, regardez en Afrique. Nos frères peuvent te démonter. Ils démontent, ils dépiècent même le moteur de voiture. Moteur de voiture, il dit, va dépiécer comme ça. Et puis, il va dire, ouais, non, il va dire tout. Mais il ne peut pas fabriquer. C'est dit, nous, on est tellement intelligents. Mais souvent aussi, nos dirigeants aussi ne nous donnent pas cette grâce-là. Surtout, la grâce même pour que l'Afrique puisse se développer aussi. Sinon, regardez. Imaginez-vous, tu apprends que oui, telle voiture a fait accident, va où? On dit qu'il y a eu des gars même. Tu attends, on dit qu'il y a 30 personnes qui sont mortes. Toi, dans ta tête, tu as dit non, c'est bus. Ou tu as dit c'est car. Par exemple, nous, communiquement, nous, les bus en Afrique, on appelle ça car. On dit c'est car, tu as fait accident. Oh, on te dit c'est pas car. C'est la petite voiture là. Il y avait plus de 30, ou il y avait plus de 15 personnes dedans, ou 20 personnes dedans. Toi, mais tu es là et puis. Tu ne sais plus ce que tu vas dire. Tu dis, tu es là, tu vas les trouver, mais ils sont bêtes. Comment plus de 15 personnes peuvent monter dans la voiture là? Ce n'est pas ça. Manque de moyens, manque de voitures, manque de ceci, manque de tout cela. On dit, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Ça arrive. Et aujourd'hui, nos parents, d'autres même, traversent ces moments-là encore. On va où avec ça? On va où avec ça? La famille, vraiment, je suis assis par terre. Oui. Je suis assis par terre. Et je réfléchis, je pleure. Je réfléchis, je pleure. Vraiment, les mots me manquent. J'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire il y a quoi à l'Afrique. Il y a quoi aujourd'hui, il y a quoi demain, il y a quoi après demain à l'Afrique. L'Afrique souffre. L'Afrique souffre aujourd'hui, l'Afrique souffre demain. C'est quand on va quitter dans ça. Les véhicules là, s'il vous plaît, abaissez un peu les prix. Mais fabriquez un peu moto. Moi, c'est moto là qui m'intéresse. Si en Afrique, ici, là, à quoi il y a Burkina, là. Burkina, il ne fabrique pas moto, hein, mais quand même, chez eux, là, il y a plus de motos que voitures. Donc, quand c'est comme ça, là, pour se déplacer, là, c'est tellement facile. Il n'y a pas trop d'embouteillage dans moto. On est dedans, on va seulement. À nous, aller seulement. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.